à vos préfixes vous est présenté par Flame Grilling. Burger King. Bienvenue à la table de jeu d'À vos préfixes. À vos préfixes, le jeu où les silences donnent de la valeur aux mots. Et c'est pas les candidats de ce soir qui me diront le contraire. Bonsoir Catherine, bonsoir Martine. Comment ça va bien? Mais ça va bien. Super bien. Copine dans la vie? Oui, oui. Vous venez d'où, ma chère Martine? Trois-Torrents. Et vous, Catherine? Trois-Torrents. C'est pas possible. On est des copines comme ça, copines de Jean-Valessive. Oh, est-ce qu'on peut encore dire ce genre de choses? Peut-être, je sais pas. En tout cas, chez moi, c'est... Oui, c'est moi qui fais la lessive. Bonsoir Cédric, bonsoir Amandine. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Cédric? Je suis technicien de laboratoire. C'est-à-dire? Je fais des analyses chimiques, du coup, pour vérifier la conformité des médicaments que mon entreprise vend. Voilà, c'est un peu mon job. Voilà, c'est un peu une tête. Une tête qui, pour moi, est très difficile à atteindre, puisque je peux vous le dire, il fait 2,4 m. Mon Dieu! Est-ce que vous êtes souvent ouvert le front en voulant marcher spontanément d'une pièce à une autre? J'arrive, maman! J'aurais pu dire plus jeune, mais bon, j'étais moins grand, du coup, je pense que ça passait pas encore. Et vous, Amandine, faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en psychologie. Ça se passe bien, première, deuxième, troisième année? Première année. Ça va? Ouais, ça se passe. Vous avez fait le bon choix? Oui. Vous arrivez mieux maintenant à scruter ce qui se passe derrière la personne que vous avez en face de vous? On va encore attendre quelques années. Combien de doigts? 5. Oh, c'est incroyable. L'équipe Amandric contre l'équipe Marine. Voilà le match de ce soir. J'en profite pour vous présenter et saluer Robin Desmaux. Bonsoir Robin. Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à nos deux équipes de choc. La première des vraies questions à se poser dans cette émission, c'est qui prend la main? Vous allez devoir estimer le cadeau de ce soir, cadeau qui partira chez l'équipe gagnante. Ce cadeau, ce sont de belles lampes de bureau professionnelles. Vous avez maintenant 15 secondes à l'aide de votre stylo et de votre ardoise pour vous concerter et m'estimer ces deux lampes. C'est parti! Pose les stylos. L'équipe Marine, ces deux lampes de bureau professionnel, d'après vous, ça coûte combien? On peut voir ce que vous avez écrit sur votre ardoise. 520 francs pour l'équipe Marine. L'équipe Amandric, pour vous, combien coûtent ces deux lampes? 250 francs. Donc, en clair, en tout cas, pour ce qui concerne l'équipe Amandric, c'est des lampes poucaves, quoi, qui ne valent pas un rond, quoi, en clair. Puisque si on divise ça, donc pour vous, cette lampe-là, unique, vaut plus ou moins 125 francs. C'est dur. Sortez. Ça, c'est déjà un indice sur son prix qui va certainement vous bluffer, je pense, vous quatre. Et ce prix, c'est Nicolas de Gros Électricité à Montaigne, je le salue, qui nous donne la réponse. Bonsoir à tous. Toute l'équipe de Gros Électricité est ravie de participer à cette deuxième saison de À vos préfixes. Vous venez d'estimer deux luminaires de table Joker de la marque Régent. Valeur totale, 1280 francs. Félicitations à l'équipe qui était la plus proche et surtout, amusez-vous bien. Oui, mon cher Cédric, ma chère Amandine, il fallait rajouter un 1 avant le 2 pour être le plus proche possible de ces superbes deux belles lampes. Variation de lumière, changement de couleur, un truc de fou. Hein. Bah, ça, on ne le savait pas avant. Oh, bah, il faut avoir un peu le feeling. Quoi, un peu, je ne vais pas donner tous les indices non plus. Hein. L'équipe la plus proche, c'est l'équipe Marine. C'est vous qui avez la main durant toute la partie. Les mots interdits, vous savez qu'il y en a moins pour cette deuxième saison. Ils s'affichent ici pour vous, chez vous. Nos candidats, eux, sont certainement déjà au courant. Je vous propose de lancer la première manche de cette émission avec une catégorie au choix. Et quel choix, puisque c'est moi qui choisis. À vos marques, prêts, fixe.
On démarre ce avant-marc préfixe avec l'équipe qui a la main. Félicitations, mesdames. L'équipe Marine, je vous laisse retourner le préfixe avec lequel il va falloir trouver 8 mots le plus rapidement possible. Allez-y, ma chère Martine. M-O-U. 8 mots. Vous attendez toujours que je donne votre prénom avant de donner votre mot. Vous avez un chronomètre qui peut aller jusqu'à une minute, pas au-delà. On ne va pas s'éterniser non plus. Est-ce que vous êtes prête à commencer, ma chère Martine? Alors, c'est parti. J'envoie le chrono. M-O-U. Martine. Moulée. Catherine. Mouche. Martine. Mouvement. Mousson. Oh, je vous le donne, mais c'est la dernière fois. Catherine. Mousson. Martine. Mourir. Catherine. Mouvement. Déjà dit. Catherine. Moudre. Moudre, pas mal. Martine. Mouton. Mouton, joli, évident. Catherine. Moufette. Moufette, ça marche, oui, Moufette. Et c'est gagné. J'ai arrêté le chrono pile au moment où elle a dit Moufette. Hein, je dirais pas que je suis un génie, mais presque. Non, je suis vigilant avec lui quand même. J'étais à côté de lui tout à l'heure, ça faisait bizarre. Hein. Ah, bons abdos. Hein. Bravo, félicitations. 27 secondes pour trouver 8 mots. C'est le record que doivent battre maintenant l'équipe Amandric pour décrocher les 3 points bonus de cette première manche. Amandine, je vous laisse retourner le préfixe que nous allons découvrir ensemble, le préfixe avec lequel vous allez jouer. Alors, P-E-R. Vous aussi, 8 mots, le plus rapidement possible. En l'occurrence, il faut moins de 27 secondes pour décrocher ces 3 points. On commence par Amandine, vous êtes prête? Amandine, c'est parti. Personne. Personne. Cédric. Perche. Oui, Amandine. Pérenniser. Ça joue. Cédric. Persil. Joli, Amandine. Péremption. Parfait, Cédric. Perroquet. Joli, Amandine. Perron. Oui. Perruque, c'est gagné. J'attendais la petite cloche. Elle n'est jamais venue. Bien joué. Excellent. Les deux, vous avez été excellents. Il y a une équipe qui était plus rapide que l'autre. 27 secondes pour vous, 10 secondes de moins pour vous. Excellente performance de l'équipe Amandri qui décroche les 3 points bonus de cette manche. Ce qui nous donne au résultat final à la fin de cette première manche, mon cher Robin Desmaux. Eh bien, l'équipe Amandric, 11, et l'équipe Marine. Génial. Ça promet pour la suite. Cette deuxième manche est jouée avec quelle catégorie? C'est la question que je pose à l'équipe Marine. On vous écoute. Avec quoi vous aimeriez jouer? Le choix de la main. Le choix de la main. Si je ne m'abuse, il est ici. Vous l'avez voulu. Vous l'aurez eu. Le choix de la main, c'est surtout 3 cartes qu'il va falloir tirer maintenant, ma chère Martine ou Catherine, peu importe. Je vous laisse prendre discrètement 3 cartes et dès le moment où vous les avez en main, vous avez 15 secondes pour vous concerter, décider avec quel préfixe vous voulez jouer et essayer de trouver le plus de mots possible en 45 secondes. Tirez vos 3 cartes. Et c'est parti, 15 secondes de concertation. Déjà fait son choix? Oui. On met ces 2 cartes de côté, elles seront pour vos adversaires. On découvre maintenant le préfixe que vous avez choisi. D-I-S. Vous avez 45 secondes pour donner un maximum de mots avec D-I-S. Pas de conséquence si vous donnez un mot déjà donné. Vous entendrez la petite cloche, il faudra en donner un autre. On commence avec vous. Catherine, est-ce que vous êtes prête? C'est parti, 45 secondes. Catherine. Dissoudre. Martine. Discorde. Catherine. Dissension. Mm-hmm. Martine. Disperser. Oui, ça marche. Catherine. Discobol. Oh, discobol, joli. Martine. Distance. Ouais, ça a l'air bon. Catherine. Distribution. Mm-hmm. Martine. Dystropie. Dystropie. Ça un marche autre. Pas. Ça marche pas. Ah, ouais, c'est toujours un mot, oui. Dissension. Dissension, ça marche? Déjà eu. Déjà eu, ma chère Martine. On poursuit. Toujours à vous, Martine. Dissonant. Dissonant. Dissonant, ça marche. Ça joue. Catherine. Dispute. Joli. Martine. Dispersion. Non, non, non. Inutile de sonner la cloche. Les 45 secondes sont écoulées. T'écoulées, ça marche? Ah non, c'était DIS.
Je l'ai, franchement, vous avez bien assuré, j'ai trouvé. Il y avait un bon rythme, Martine, à un moment donné, ouais, j'ai senti. Hein. Ça, il y a eu une espèce de... Ouais, le corps s'est bloqué comme ça. Hein. Et puis après, j'ai aimé l'attitude de Martine. C'est bon, bah, j'ai merdé. Bah, c'est à toi, Catherine, maintenant. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Combien de mots trouvés, mon cher Obademo ? 9. Joli. C'est d'ores et déjà 9 points. Est-ce que vous décrocherez les 4 points bonus de cette deuxième manche, parce que l'équipe Amandric en trouvera moins. C'est ce qu'on va savoir maintenant. Je vous laisse ces deux cartes. Vous avez 15 secondes pour décider avec lequel de ces préfixes vous voulez jouer. C'est parti. Je vous laisse retourner le préfixe que vous avez choisi parmi les deux qui restaient. Allez-y, ma chère Amandine. P-E-L-A. 45 secondes. Il faut trouver 10 mots pour décrocher les 4 points bonus. S'il devait y avoir ex aequo, on n'attribue pas les points bonus. OK ? On commence par vous, Cédric ? Très bien. C'est parti. Place. Amandine. Plante. Cédric. Plaire. Plaire, joli. Amandine. Plaine. Plaine, parfait. Cédric. Plâtre. Oui, Amandine. Plage. Plage, joli. Cédric. Plancher. Parfait. Amandine. Plâtre. Déjà dit plâtre. Il m'en faut un autre, Amandine. Super bien parti. Personnellement, je ne sais pas du tout combien vous avez fait de mots au total. Romain Desmaux ? 7 points. 7 mots contre 9 mots. Martine a voulu souffler un mot à Amandine. Mais vas-y, mais évite. C'était quel mot que vous voulez lui souffler ? Plâtre. Très beau match. Une fois de plus, vous êtes de belles équipes. Il faut toujours, dans chaque manche, une équipe qui gagne. Et là, en l'occurrence, c'est vous, mesdames. Félicitations. Ce qui nous donne au total pour l'équipe Amandric après deux manches. Alors, il y avait 3 points à l'avantage et là, on les a inversés. 21-18 pour l'équipe Marine. 21-18, c'est pour vous dire que tout est encore possible pour l'une et l'autre des deux équipes. La troisième catégorie pour cette troisième manche, c'est Amandine qui va nous dire quelle pancarte elle aimerait que je retourne. En haut à gauche. Celle-ci ? Oui. On va jouer. C'est bien ça. Le pointé du doigt. Avec quel préfixe nous allons jouer ce pointé du doigt ? C'est l'équipe Marine qui a la main, qui va décider de ce préfixe en retournant une carte, ma chère Martine. C-A-L, vous connaissez le principe, vous donnez un mot, vous pointez du doigt l'adversaire qui doit en donner à son tour, et ainsi de suite. Vous n'avez pas le droit de donner un mot déjà donné, vous êtes dans ce cas-là éliminé. Si vous mettez plus de 10 secondes à donner un mot, vous êtes éliminé aussi. L'équipe qui est la première éliminée attribue les 5 points bonus à l'autre équipe pour cette troisième manche. Par contre, bonne nouvelle quand même, chaque mot continue à valoir un point. D'accord ? Merci. Est-ce qu'on est prête, ma chère Catherine ? Oui. Alors, on y va, c'est parti. Calcium. Avec qui vous voulez ? Amandine. Calcul. Calcul, Amandine, je vous laisse pointer du doigt. Martine. Calmant. Mm-hmm. Oh, c'est joli. Cédric. Calorie. Mais oui, Cédric. Catherine. Caleçon. Mm-hmm. Amandine. Calvitie. Comment ? Calvitie. Calvitie, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce mot. Je vous laisse pointer du doigt. On est presque dans une phase ping-pong, là, je me demande de vous le dire. Hein. Martine. Calembour. Ouais, joli. Martine. Cédric. Calciné. Calciné. Ça marche. Cédric. Catherine. Calepin. Oh, le petit calepin. Ça existe encore, ce truc ? C'est fou. Ah, c'est le 20e siècle. Ah, c'est un calfaune, maintenant. Catherine. Amandine. Calanque. Calanque. Magnifique. Excellent. Bravo, Amandine. Martine. Calligraphie. Non, mais ça claque le cal. C'est incroyable. Cédric. Calque. Calque, joli, c'est un peu de ma faute, pardon. Cédric. Pointez du doigt. Ah oui, excusez-moi. Reviens sur Martine. Calé. Calé, ça marche ?
Calé, ça marche. Bravo, Martine. Amandine. Calice. Aussi. Calice de tabernacle. Amandine. Catherine. Calfeutré. C'est bon. Vous avez été chercher loin, celui-là. Hein. Oui. Bravo, Catherine. Je vous laisse pointer du doigt. Amandine. Ah. Caleçon. Déjà donné. Oh ah, déjà donné, ce qui veut dire qu'Amandine quitte la table. À vous, Martine. Calamité. Jane. Je l'ai déjà dit. Non, ça passe. Marche. Cédric. Calumet. Comment? Calumet. Ah, calumet, excellent. Oui, je vous laisse pointer du doigt, vous, par contre. Martine. Calamar. Calamar, ça marche? Ça marche. Ça, génial. Martine. Non, c'est à Cédric, pardon. Calligraphie, ça a déjà été donné, je crois. Déjà donné. Oui, ouais, ça a déjà été donné. De toute façon, j'avais plus en tête. J'ai tenté. Il a tenté, ouais. Ouais, j'ai vu. On ne sait jamais sur un malentendu. Ils sont peut-être sous, réglés sur trois. Et bravo, vraiment, excellent. Hein. On vit de très beaux moments dans cette émission grâce à vous. Combien de mots trouvés pour l'équipe Amandric, mon cher Robin des mots? 8 mots. Qu'on ajoute à votre compteur. Et pour l'équipe Marine? 2 de plus, 10 mots. 10 mots, avec en plus de ça les 5 points bonus. On se détache un petit peu, j'ai l'impression, au résultat intermédiaire. Je oui, vous écoute. C'est encore jouable. Hein. L'équipe Marine, donc 36 points, et l'équipe Amandric, 26. Très belle manche, je tiens à le souligner. Tout est encore possible, puisque je vous rappelle que la dernière manche vaut 10 points bonus pour celui ou celle qui l'emporte. Avec quoi on va jouer, ma chère Martine? Je vous laisse désigner quel. Celui-ci? Alors franchement, ça ne pouvait pas tomber mieux. La mise de confiance. Pour cette mise de confiance, c'est l'équipe qui a le moins de points qui peut débuter. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est l'équipe Mandric. N'est-ce pas ma chère Amandine? J'ai adoré. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais la fermer, passer à la suite, ça m'arrangerait. Bon, on va découvrir maintenant avec quel préfixe vous allez devoir estimer le nombre de mots que vous pensez trouver en 30 secondes. Cédric, je vous laisse retourner une carte. Vous avez 15 secondes avec MUS pour estimer le nombre de mots que vous pensez trouver en 15 secondes. C'est parti. En 30 secondes. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je vous écoute. 7 mots. 7 mots en 30 secondes. Je vous rappelle que chaque mot trouvé a la valeur de son positionnement. En ce moment, les téléspectateurs voient le barème de la calculation des points, pour être bien clair de combien de points pourraient vous rapporter 7 mots. Maintenant, il faut impérativement arriver à 7. Si vous n'arrivez pas à 7, 4 points de pénalité et vos mots ne vaudront plus qu'un point par mot. Ok ? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts ? On va commencer avec vous, Cédric ? Très bien. 7 mots, on a dit en 30 secondes. Attention, Cédric, vous attendez que je donne votre prénom. Hein. C'est parti, 30 secondes. Cédric. Muscade. Amandine. Muselière. Cédric. Muscle. Oui. Amandine. Musée. Joli. Cédric. Musique. Musique, ça marche. Amandine. C'est juste Romain des mots. Il a manqué un. Deux. Ah, deux, ça va alors, ça va, c'est moins grave. J'étais sûr qu'il en manquait un. C'est très difficile pour moi en fait, de compter tout en gérant le chrono, tout en vous donnant votre prénom et tout en me rappelant à quelle heure il faut que je me couche ce soir pour être en forme demain. C'est très compliqué. Oh, dommage. Alors, ça, c'est. Bon, ils peuvent encore hein, ne pas y arriver, mais je pense que tactiquement, ils ont compris ce qu'ils doivent faire. On a eu 5 mots. Ça fait 5 points, mais 4 points de pénalité, ça fait 1 point sur cette manche-là. J'ai un peu le sentiment que les jeux sont faits. L'équipe Marine, je vous laisse retourner le préfixe avec lequel vous allez devoir jouer et estimer le nombre de mots que vous pensez trouver en 30 secondes. On peut le découvrir, s'il vous plaît?
FRI. Vous avez 15 secondes pour vous concerter si c'est nécessaire. C'est bon, les filles ? Combien de mots en 30 secondes ? 5. Eh, moi, je pense que quand même. Ouais, quand même. Parce que moi, à chaque fois, dans un jeu de jeu, je me dis oui, c'est ça. Bien, c'est bon. Allez, 2 pour le fun. Non, bah non. 0, ça marche pas. OK, 5 mots en 30 secondes pour décrocher non seulement cette manche, mais en plus la partie. Les deux lampes, c'est pour vous, si vous y arrivez. Vous êtes prête ? Faut plus trembler, Martine. Vous êtes prête ? Catherine, vous êtes avec nous ? Oui. J'essaie de faire monter un petit peu le suspense. Ça marche, Amandine, ça marche ou pas ? Merci beaucoup. Attention, on commence avec Martine. 30 secondes, c'est parti. Frisée. Catherine. Frime. Martine. Frimousse. Catherine. Frites. Martine. Friandise. Et les grands gagnants de ce soir, c'est l'équipe Marine, Martine et Catherine. Félicitations, mesdames. Félicitations aussi, bien sûr, à l'équipe Amandric. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Vous avez été d'excellents candidats. C'est vrai que sur cette liste de confiance, le 7, c'était un petit peu culotté. Il aurait peut-être fallu jouer le 5. Ça aurait été parfait. Ouais, mais on n'aurait pas eu assez de points. On n'aurait pas eu assez de points. C'est vrai. C'est le calcul. C'était tout ou rien. Effectivement, vous avez tenté le tout pour le tout. Ça n'a pas marché. Mais bon, c'est ça aussi le jeu. C'est le jeu. Hein. Il faut parfois un gagnant. Rollo Iglesias pour les connaisseurs. Je ne sais pas si je veux. Bravo. Félicitations. Vous repartez pas les mains vides. On a plein de petits cadeaux pour vous, notamment Burger King, notre partenaire qui vous offre aux deux. Un menu avec tout ce que ça comporte. Et on a le plaisir aussi de vous offrir, de la part de la Maison des Résistants, un mou muté. 6 arômes sont créés par la Maison des Résistants de mou muté. Un vin délicieux à boire frais, en apéro ou en dessert. Et on a décidé de vous offrir ce soir le mou muté à la pomme. Et ça, c'est pour vous. En vous remerciant vraiment du fond du cœur de vous être déplacé pour jouer avec nous ce soir. Bonne continuation. Merci. 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 Vous ne vous bougez pas, on poursuit. Il y a encore un peu de job avec la destination finale. Pour cette destination finale, l'équipe Marine qui va quitter la table, profiter d'un moment très agréable sur un super beau canapé à écouter de la musique sélectionnée par moi-même, donc forcément de la bonne musique. C'est vous, Catherine. Très bien. Pour ça. Attendez, bougez pas, puisque la tâche qui incombe Martine, ça va être de nous donner 4 mots avec un préfixe. Il faut savoir que les mots que vous trouverez identiques l'une et l'autre vous rapporteront 10 points de plus à votre résultat final actuel, qui est de combien, mon cher Robin Desmaux ? 51 points. C'est une très très belle partie avec 51 points. Vous pouvez augmenter ce capital jusqu'à 91 points, si vous avez un peu de chance, il faut le reconnaître. Je tiens à vous préciser que si vous faites partie des 2 meilleures équipes au nombre de points à la fin de la saison, vous participerez à une finale pour tenter de décrocher le colossal cadeau que nous vous proposons, qui n'est autre que celui-ci. Les Bains de la Vée, son espace wellness, ses 2 restaurants et son hôtel 4 étoiles vous offrent un abonnement de 3 ans d'accessibilité aux bains thermaux pour 2 personnes. Catherine nous a quittés, Martine est toute seule. Ça pourrait être le titre d'un livre d'ailleurs. Hein, Martine est toute seule. Elle retourne une carte. On n'a pas eu celui-là. Alors, C-R-E, il me faut 4 mots. Les 4 premiers que vous me donnez seront comptabilisés. On vous écoute. Création. Mm-hmm. Crème. Mm-hmm. Créer. Mm-hmm. Ah, créer, création, c'est pareil. Donnez-moi un autre. Crétin. Oui, ça marche très très bien. Crêpe. Superbe, ils sont là, les 4. Bah, c'était très vite, somme toute. Donc, je retourne chercher Catherine. Catherine, merci de nous avoir rejoints. Vous découvrez à l'instant le préfixe avec lequel Martine nous a donné 4 mots. C'est à votre tour maintenant de nous donner 4 mots. Les 4 premiers sont comptabilisés. On vous écoute. Création. Mmh. Créance. Mmh. Créature. Créature. Et le dernier ? Crèche. Une crèche. Beaucoup d'originalité avec vos 4 mots. J'ai presque envie de dire que du côté de Martine aussi, il y a eu beaucoup d'originalité. Mais est-ce qu'il y a de la similitude ? On ne suis pas certain. Les 4 mots de Catherine, on les répète, s'il vous plaît, mon cher Robin Desmaux. Alors, il y a eu créance, créature, crèche. Et le seul mot qui va être en commun, c'est création. Création. On peut donner quand même les 3 autres mots pour Catherine ?
les mots de Martine. Les mots de Martine, donc après création, il y a eu crème, crêpe et le crétin qui était dur à trouver. Ouais, crétin, franchement, il suffisait juste de tourner la tête un tout petit peu sur votre droite, ça aurait dû vous inspirer, non? Franchement. Bon. Et un mot, c'est 10 points de plus, ce qui vous donne un total à la fin de cette partie, brillante partie que vous avez remportée, 61 points. On s'en souviendra. Si vous faites partie des deux équipes les meilleures au nombre de points, on se retrouvera pour cette finale l'année prochaine, au mois de juin. En attendant, je vous félicite, toutes les deux. Je vous rappelle que les deux lampes professionnelles, c'est pour vous. Vous battez pas, il y en a une pour chacun, pour chacune. D'accord. Merci beaucoup de vous être déplacés. J'espère que vous avez eu du plaisir à jouer avec nous. Oui. Et puis peut-être, qui sait, à bientôt. Vous, c'est certain, à bientôt pour un nouveau À vos préfixes. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire en tout temps sur notre site canal9.ch, émission À vos préfixes. Inscrivez-vous, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Bonne semaine. À vos préfixes vous a été présenté par Flame Grilling. Burger King.